C'est parce qu'il faut, il faut que tu. Comment on dit ça? Il faut que tu. Comment on dit ça? Donc, tu sais, que tu fasses attention pour occuper le mental, le rationnel. Pas le mental, mais le rationnel. Parce que le rationnel, lui, il pense tout le temps. Puis il veut tout le temps dire des niaiseries. Donc, il faut que tu l'occupes pour, à un moment donné, dire les vraies affaires. Et là, on va dire les vraies affaires Voilà. en y allant avec l'inspiration du moment et du reste de ce que tu vas donner comme réponse qui va nous apporter d'autres questions. Voilà, c'est vrai? Absolument. Patrice Cocroux, Bonjour, je suis contente que tu aies accepté de venir avec moi ici. Mais je suis très heureux et honoré et enchanté d'être ici parmi vous. Mais je pense qu'on va en apprendre beaucoup Oui. avec Gracielle. Oui. Et très heureuse aussi d'avoir rencontré ta sœur tantôt. Oui. Richard est une personne qui est très resplendissante aussi, très lumineuse, je dirais. C'est, la connexion se fait toute seule, hein? Oui. Ce qui est curieux, c'est quand on est arrivé dans le stationnement, Alain me dit, il y a quelqu'un qui a l'air à te connaître, là, que je me suis retrouvée au bord, ben oui, c'est Richard. Je ne l'ai jamais vu, Tu Richard, m'as en reconnu. plus. C'est moi. Voilà. Très sensible comme toi. Ouais. C'est fou. Ah, merci. Hyper sensible. Toi aussi. Oui. On est tous des gens comme ça Oui. et interconnectés. Oui. On se reconnaît. Oui. Tout à fait. On sort. Voilà. Ça, oui, tout à fait. Oui. Comme Joël. Oui. Je l'ai reconnu. Quand je l'ai vu, Oui. je l'ai reconnu. On a jasé 3 heures de temps. Puis il a fallu que je mette un. Comment on dit ça? Timeout. Comme les joueurs Le timer. là. Timeout. Fait que, parce que là, le temps avançait. Mais après ça, on a jasé encore un autre 3 heures. Ah, Seigneur! On avait des choses à se raconter, c'est de toute beauté. Oui. La joie de se retrouver, là. Le partage. Oui, parce qu'on s'est reconnus. Ça va de soi, ça coule de source, c'est fluide, Tout à c'est fait. simple, c'est direct, c'est pas compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça quand on reconnaît les gens. Il n'y a pas de. Comment on dit? La connexion se fait comme si on se serait déjà vu. Oui. Puis qu'on revient depuis des années, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est là. C'est des retrouvailles. Oui, Comme si on s'était vu exactement. hier. Oui. Exactement. Que ce soit hier On a ou il une y a des années, continuité. c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est un retour à. On continue la discussion. Oui. Retour aux C'est sources. fou. À la source. Oui. Justement, parlant de retour à la source, le 11 août prochain. 11 août. Parce que les sourds, c'est ça. Oui, zoé. Oui. C'est le J. Oui, le jus aussi. Oui. Mais oui, effectivement, le 11 août prochain, tu as choisi Oui. de retourner à ta demeure. À la casa. Oui, à ta demeure. La demeure. La demeure, comme tu Exactement. dis si bien. Puis, tu as choisi quelque chose de particulier. Pourquoi le 11 et pourquoi l'heure à laquelle tu le fais? Premièrement, j'ai choisi le 11 parce que j'avais d'autres dates, mais par contre, je n'avais pas le choix, entre autres, de prendre 90 jours après parce que eux autres ont besoin de 90 jours, le médecin, pour être sûr et certain que où est-ce qu'on veut s'en aller, on est bien certain de notre décision. La pleine lune va donner le 11. Donc, premièrement, c'est une des raisons. Deuxièmement, parce que c'est le 11, c'est le 2 en chiffre romain, c'est les portes de Gibraltar, c'est les piliers dans les séphirotes, l'arbre de vie. Entre les deux, il y a un passage, et à ce moment-là, on peut passer
de l'autre côté. C'est plus facile. Surtout la journée de la pleine lune. Pourquoi? Parce que c'est là où est-ce qu'on retourne à la source. Quand on est descendu par la matrice, par ce que la femme porte, les trompes de Fallope et l'utérus. Donc, nous sommes dans le deuxième chakra et le troisième, qui est le soleil, qui est le plexus. Mm-hmm. Donc, quand on arrive au deuxième chakra, c'est le 9 dans l'arbre séphirotique, dans la cabale avec un K et non ça avec un C. Explique-moi la différence, même si je le sais, je veux t'entendre le dire. La cabale avec un C, c'est souvent porté, ça porte à confusion entre la cabale avec un K. Je ne suis pas une experte dans ce domaine-là. Je ne connais rien à part des choses qui me concernent, des choses qui me permettent de témoigner de ce qui a rapport avec l'arbre séphirotique. Mais je ne connais rien à la cabale. Mais je connais assez les choses qui... les points, comment je pourrais dire, les points d'ancrage, ouais. Comme on pourrait dire, mm-hmm. Des points spécifiques que moi, c'est un signe parce que où est-ce que je suis allée, c'est ce que j'ai vu. Parce que où est-ce que je suis allée, les planètes étaient là. J'étais dans mon univers et les planètes tournaient autour de moi. Comme dans l'univers autour du soleil. C'est la même chose. Pareil. La cabale avec un K fait référence à la connaissance, aux mémoires akashiques, voilà. aux lois fondamentales. Voilà. Alors que celle avec un C, c'est les forces plus, on va dire, involutives, sombres, voilà. Contrôlantes, et, oui. etc. Qui récupèrent ces voilà. informations-là. À leur propre pour profit. Faire peur. Et à leur propre profit. Voilà. C'est égotique, ce n'est pas voilà. altruiste. Voilà. En gros. Les gens ont souvent peur ouais. quand on mentionne ce mot-là. Mm-hmm. Mais par contre, ce qu'ils ne savent pas à la base, c'est qu'on vient de là. Ouais. Et on retourne ouais. là. Mm-hmm. Donc, c'est le chemin de vie. Et justement, dans ce chemin-là, moi, où est-ce que je suis passée? C'est justement dans la Lune. J'ai compris ça des années après. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était comme une pleine Lune. Je suis passée au travers. Puis il y avait, au travers, moi, j'ai vu des planètes tourner autour. Et j'étais comme le soleil qui voyageait dans l'univers. Et je voyageais d'une façon fulgurante. J'étais comme si j'étais guidée, ou comme si j'avais des ailes, ou comme si j'étais soutenue ou portée. Mais je sentais rien autour de moi qui pouvait me supporter. Mais je me posais la question. C'est comme pendant une sortie astrale. Oui, que tu as fait ça. Oui. Okay. C'est une expérience qu'on va dire qui ressemble à un EMI, ouais. entre guillemets, mais je n'ai pas la preuve que mon cœur a arrêté de battre, parce que mon cœur n'a jamais arrêté de battre pour lui. Oui, ouais, selon, c'est parce que scientifiquement, on ne peut pas le prouver, oui. mais toi tu le sais, que ce que tu as oui. fait, c'est un EMI. Oui, parce que... Si je lis des EMI, ça fait des années, puis même sur le site de l'ésotérisme expérimental, autrefois, il y avait un site qui était Bulle Jaune. Je ne sais même pas s'il existe encore. Il y avait des centaines et des centaines de témoignages de EMI. Mm-hmm. Moi, je les ai imprimés. Et j'ai donné ça à ma famille. J'en ai pas imprimé des centaines et des centaines, mais quelques-uns. Je pense que j'en avais peut-être 200-300.
Mais moi, je suis mordue de ça, des EMI, depuis mon expérience. Mm-hmm. Parce que ça ressemble, c'est similaire. Ouais. Ça, c'est exactement là où est-ce que je suis allée. Sans l'avoir vécu, j'en ai écouté beaucoup, beaucoup dans différentes émissions archivées là, sur YouTube et tout ça. Puis ça me passionne. Ça doit te parler. Ah, complètement, complètement. C'est, sans avoir vécu, en tout cas, récemment, de mais tout ce qui relève du rêve, du métaphysique, tout ça, c'est, ça me nourrit. Peut-être que ça te parle justement parce que tu l'as peut-être déjà vécu dans un certain sens. Les mémoires, akashiques. Les cellules se souviennent, exact, oui, avant que ton cerveau l'interprète. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que ça fait partie, on a tous vécu ça en termes de mémoire, puis on porte ça, puisqu'il y a une résonance, il y a un écho. Mm-hmm. Donc, s'il y a un écho, ça veut dire que ça réfère à quelque vibre. Chose qu'on connaît, ça vibre, voilà. Donc on connaît ça. Donc, voilà. C'est pas étranger, c'est pas n'importe quoi. Mais quand on raconte une histoire comme ça, ça peut créer l'effet catalyseur. Oui. J'ai la preuve. Oui. Oui. Parce que quand j'ai raconté mon histoire, et surtout quand on voit la personne régulièrement, puis qu'on raconte encore la même histoire, et on approfondit, et l'autre personne pose des questions. C'est pour ça que je parlais à zone parallèle quand on avait discuté en rapport avec l'OVNI, que si les gens approfondiraient ce qui a un rapport avec l'expérience que j'ai vécue, il y aurait des gens qui vivraient l'effet catalyseur. Le réveil, c'est une sorte de réveil. Oui. Parce que t'as endormi cette mémoire-là dort. Voilà. Mais c'est... Quand on dit effet catalyseur, on dit effet d'entraînement. Puis donc, effet domino, puis ouverture de l'esprit, puis rappel, réminiscence de ça. Parce que quand je l'ai raconté à ma soeur, elle écoutait religieusement comme un enfant qui est là une journée, un soir de Noël, qui attend ses cadeaux, puis qu'elle m'écoutait là, d'une façon là, tellement attentivement, que ça l'a créé chez elle un spark. L'étincelle. Parce que l'étincelle était là, ouais. Mais pour créer le spark, il faut qu'il y ait un désir profond. Oui, oui. Donc, le désir profond fait que les cellules deviennent toutes excitées. Puis, c'est comme quand on met du popcorn dans un micro-ondes, on met du maïs, des grains, et les grains sont durs, on n'a rien à retirer d'un grain dur comme ça. Même si on le cogne avec un marteau, il va tout simplement briser. Mais si on le fait chauffer à une température X, le point de chaleur qu'il va atteindre, il va exploser. Ouais. Parce qu'il va être compressé, il va être... Une transformation. Il va s'exciter avec toutes les vibrations. Mm-hmm. L'excitation fait en sorte que il y a un effet de saut quantique. Puis ça, tu parlais des cellules, c'est perméable, au lieu d'être imperméable, fermé, il y a une perméabilité, une ouverture. Oui, il y a une ouverture. La chaleur, la vibration, ça fait pas. Oui. Puis à ce moment-là, le maïs, le grain de maïs, il change d'état. Oui. Il devient comme extraordinaire. Mm-hmm. Comme un être humain qui est terrestre, quand il vit le saut quantique. Oui, c'est ça. Il devient extra. Ça me rappelle que je fais un parallèle parce que tu parles de ça, la transformation, les passages de la sublimer, justement transformer, le passage de la glace à l'eau, quand tu as la chaleur, exactement. La tension, puis de l'eau à l'état gazeux, tout à fait. La vapeur d'eau. Donc c'est les mêmes éléments qui devient beaucoup plus léger, subtil. Ça, c'est formidable. Vaporeux. C'est ça. Gazeux. Ouais. Parce qu'il devient comme. En premier lieu, c'est un cube dur. Ouais. La matière, ouais. On peut peut l'associer à la peur aussi, la glace à peur. Puis après ça, c'est liquide, les pleurs. Oui, ça, exactement. Oui. Puis après ça, un coup qui est chauffé,
Il va transcender son état. Il va même... il va vivre une transformation. Puis là, il va transcender parce qu'il va aller au-delà ouais. de sa matière dense, ouais. la matière 3D. Exact. Après ça, il va pouvoir sortir de l'ombre, sortir de l'état latent. Ouais. Et ensuite, il devient malléable, liquifiable. Il peut aller partout. Il se fond dans le grand tout. Ensuite, il peut même aller au-delà ouais. pour aller passer au travers les murs. Absolument. Parce que c'est une vapeur, ça se transforme en gazeux, ouais. en plasma. Un état modifié. Voilà. Ouais. C'est tout à fait. Alors, Gatiel, le 11 août, tu fais le grand passage. Tu retournes oui. à la maison. Mm-hmm. Le 11 août 2022. Et tu as choisi une heure, oui, à la maison. Et tu as choisi une heure très précise, mm-hmm. 6h39. Mm-hmm. Peux-tu nous dire la raison pour laquelle tu as choisi cette heure précise? Parce que, en fait, c'est 18h39. Oui. Parce que j'avais comme... Oh, j'avais le choix, mais en fait, moi, je suis plus une fille de l'après-midi que ouais. du matin. Et le médecin termine à cette heure-là, donc il va venir ici à domicile. Et pourquoi j'ai choisi cette heure-là? Parce que c'est les chiffres de Nikola Tesla. Tesla. 6-3-9, parce qu'avec Carole, lors d'une de ces émissions que je suis allée, ben justement, parce qu'on a parlé de Nikola Tesla, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très très longtemps, l'énergie libre et toutes les inventions, tout ce à quoi il y a eu accès. Mm-hmm. Puis, moi, Carole, tu me demandais de juste faire un petit peu le résumé de mm-hmm. la raison pour laquelle il a focalisé autant sur ces trois chiffres-là, c'est parce que il a découvert que si on se fie au doublement des cellules lors de quand l'embryon commence, on passe de 1 à 2 cellules, à 4, à 8, à 16, bon, ça double tout le temps. Et il s'est rendu compte en faisant la réduction théosophique, ce qu'on appelle la réduction théosophique, de 1 à 2, à 4, à 8, 16, 16 égale 1 et 6, 7, et ensuite 32, 3 et 2, 5. Et ça fait la séquence suivante, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, de façon perpétuelle. Mm-hmm. Qu'est-ce qui manque? Le 3, le 6 et le 9. Mm-hmm. Le 3 gouverne le 1, 2, 4 et le 6 gouverne le 5, 7, 8. Et le grand tout est chapeauté par le 9. Donc, il dit que ces chiffres-là qu'on ne voit pas, en fait, sont des chiffres, des nombres puissants, des nombres divins, des nombres porteurs, avec une résonance très, très forte. Très puissante. C'est ça. Donc, c'est ce qui t'a animé. Oui, c'est ce qui m'a motivé. À choisir ces chiffres-là. Il y a aussi lui qui il a eu des chiffres comme ça lors de son décès. Nikola Tesla. Mm-hmm. Ah oui, OK. À l'étage où est-ce qu'il était, oui. la chambre où est-ce qu'il était, à l'heure qu'il est décédé. J'aimerais ça que tu l'expliques un petit peu de ce que tu viens de me dire là, ou en grosso modo de ce que... J'ai vu, j'ai entendu, je me souviens plus avec ma mémoire. Mais j'ai vu que, oui, effectivement, les gens pourront faire leurs recherches. Donc, le décès... Faites vos recherches. Tu sais qu'il est mort à New York dans la pauvreté, oui. puis il est abandonné, oui. puis toutes ses inventions ont été récupérées, achetées par de différents groupes industriels et tout ça, puis ils ont mm-hmm. été mis dans les tiroirs. Mais il est mort complètement dans la dèche à New York. Mm. Puis donc, je sais qu'il y a un numéro de chambre d'hôtel là, oui, spécifique. Exactement. Ouais. Avec son heure, puis le numéro, puis la. Comment on dit ça? L'étage. L'étage, oui, c'est voilà. ça. Ouais. J'ai fait le lien. Oui. Wow. C'est ça, je l'ai gardé, mais je me souviens plus. Mais je l'avais gardé puis parce que ça m'avait impressionné, parce qu'il parlait de ça. Si vous avez des chiffres à choisir, priorisez toujours si vous avez la possibilité, le 3, 6, 6, 9. C'est ce qui t'a amené à oui. faire ce choix. Oui. Je trouve ça tellement, tellement intéressant et brillant. Mm.
à la fois. Là, les gens ne savent pas pourquoi tu as pris cette décision de partir, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Non, parce que je suis rendue au bout de ma maladie. C'est-à-dire? On se pose jamais la question, quel serait le maximum que je serais capable d'endurer? Ta limite. Ou de ne pas endurer. Mmh. Mmh. Tantôt, c'est une question à se poser. Oui, et tantôt, tu m'as fait une comparaison que j'ai trouvée très intéressante parce que c'est facile à visualiser. Mm-hmm. Tu parlais d'un soulier. Mm-hmm. Oui. Je vais te laisser me redire. Parce qu'on l'a dit hors caméra, mais... Oui, c'est ça. Souvent, j'ai fait des rêves, les dernières années, en tout cas, où est-ce que je mettais mes souliers, mais ils étaient trop petits. En fait, c'est ça. C'est comme Miss Piggy. Hein? On met les souliers, mais des souliers, habituellement, si on porte des 8 et qu'on essaie de chausser des 6,5, ça va pas bien. Non. Ça marche mal. Ouais. Surtout avec des petites roches, là, des petits grains d'un soulier. Ouais. Et c'est pas tellement agréable. C'est douloureux. Puis, c'est comme ça que je ressens les choses quand que je mets mes souliers. Puis quand que je rêve, ben c'est des rêves comme ça. Donc c'est pas trop agréable. Et mes jambes, c'est comme si j'avais des lacérations ou des brûlures. Parce qu'on me pose tout le temps la question, c'est quoi les difficultés que j'ai, les douleurs, ça pourrait ressembler à quoi? Parce que c'est la sclérose en plaques et la fibromyalgie mis ensemble, c'est deux maladies que les symptômes se chevauchent. Donc, on a de la difficulté à savoir lequel des symptômes se rapporte à la sclérose et ceux qui se rapportent à la fibromyalgie. Mais c'est comme si les jambes, le bas du corps, ne répond plus. Parce que c'est... oui, je marche encore, j'ai de la difficulté à marcher. Mais c'est de plus en plus difficile de comment je pourrais dire, à tous les jours, même faire mon hygiène personnelle. Moi, mon maximum, c'est là que je voulais pas arriver. Ouais. Et il y en a que c'est des chaises roulantes. Moi, je suis avec la chaise motorisée depuis 2019. Et les douleurs, c'est sûr que assis dans ma chaise, ça aide. Mais les douleurs sont toujours là. Tu sais, comme là, c'est pas écrit dans mon front, mais les douleurs sont là. Donc, c'est à partir du... ici, de la taille. Ouais. De la taille. Ouais. Ça, ici, dans le bas du dos, les hanches, dans l'aine. Ils appellent ça le psoas, le muscle. Les muscles qui descendent jusqu'en bas. Mm-hmm. Et ils appellent ça les muscles de l'âme. Ah oui? Oui. Et les genoux, les chevilles, c'est comme si j'avais les muscles qui étaient étirés et attachés, raccourcis. Donc, l'élasticité est plus là. Et les douleurs, c'est comme si on avait un gros mal de dents lancinant qui lâche pas. Puis ça, c'est constamment, 24 heures sur 24. Malgré la médication. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Oui, parce que depuis l'année passée, j'ai commencé la médication parce que ma fille m'a dit, « Ben, maman, si tu essayes la médication, peut-être que tu peux prolonger ta vie. » J'ai commencé, je l'ai essayé, mais c'est pas assez fort. Puis je devais rendre la médication encore plus forte et je ne suis pas prête à perdre les capacités cognitives pour gérer ma vie. Et les douleurs, c'est comme si c'était des lacérations ou des brûlures, puis qu'on a des gros lastiques là, qui serrent toute la journée, là, et 24 heures sur 24. Puis que les muscles sont atrophiés, diminués. Donc, les pertes de jouissance de la vie sont énormes.
Puis c'est comme, tu dis 24 heures sur 24, c'est comme l'image qui me vient, c'est comme si il y a un système d'alarme qui est déclenché puis qui arrête jamais. Exactement. Donc, la fatigue extrême est toujours là, même la nuit. Oui. Je me réveille le matin aussi fatiguée que la veille que je me suis couchée. Et la nuit, je fais des rêves qui vont compenser ma douleur. Ouais. Parce que je fais des rêves, des expériences mystiques depuis des années. Et ça fait depuis des années, moi, que j'ai les douleurs. Là. C'est pas juste depuis l'année passée ou ça fait des années, je pourrais dire peut-être 15 ans. Oui. Puis les médecins ont juste découvert depuis 2014 que j'ai que j'ai été diagnostiquée avec la sclérose en plaques et la fibromyalgie en 2015. Avant ça, ils ne savaient pas, je disais des choses, mais dès que j'ai commencé à écrire mon dossier et à donner une copie à mon médecin, puis qu'il voit noir sur blanc qu'est-ce qui était écrit, moi je conseille ça à tous les gens que je rencontre, écrivez votre dossier médical. Ne vous fiez jamais à qui que ce soit pour prendre en charge vos difficultés. Ce n'est pas de ne pas croire à ce que le médecin dit, mais de venir aider, soutenir la recherche médicale. Si tu prends assez en charge ta santé et tes difficultés, tes maladies, ben, fais-moi un dossier, écris les changements que tu as, les dates, ce que tu as vécu comme des recherches, que ce soit des IRM, résonance magnétique, oui. Ou des tous les examens qu'on passe. On a la date, on a ce qui est écrit, puis on sait ce qu'on a pris, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. On a pris tel médicament, telle date, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, on va prendre l'autre chose. On a tout essayé. À la fois, il y a l'historique et à la fois, il y a les sensations. Aussi, comment je me sens. Comment tu traverses tout ça. Comment est-ce que je me sens dans mon corps, les difficultés que je rencontre. Et quand je donne ça au médecin, le médecin ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Parce que plusieurs me disent, « Ah, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir telle ou telle chose. » C'est parce que moi, mon dossier médical, il est écrit depuis des années parce que j'ai commencé à me faire confiance et non à faire confiance à ce que je dis au médecin et ce que lui écrit. Parce que ça ne veut pas dire qu'il l'a écrit. Parce qu'il a peut-être écouté d'une oreille, puis l'autre oreille, il n'a pas entendu. Il l'a écrit comme toi, tu l'aurais écrit. Donc, les gens qui écrivent leur historique, ils peuvent dire, en donnant une copie au médecin, ils peuvent dire, oui, je vous en ai parlé telle date. Le médecin va ouvrir le dossier. Ah oui, effectivement, vous me l'aviez laissé en copie. Voilà. Super. C'est bien ça. C'est la clarté. C'est de devenir autonome. Oui, aussi. Et souverain. Oui, puis c'est la clarté. Faire nos recherches. Dans une situation comme celle que tu vis ou d'autres, c'est pas beaucoup de chaos, de confusion, en tout cas de douleur ou de changement. Mais là, il y a une clarté qui s'établit avec ça. Oui, on devient plus lucide. Puis on peut faire des corrélations. Avec, moi j'avais dit au médecin, c'est soit l'arthrose, soit la sclérose, ou soit la fibromyalgie que j'ai. Oui. Puis j'ai deux maladies sur trois. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais fait mes recherches avant. Oui. Puis j'avais donné au médecin les preuves, ce que j'avais comme maladie. Puis il a tout simplement passé mon IRM, résonance magnétique, et pour prouver que ce que je disais était vrai. Oui. Je veux juste vous porter votre attention, justement, parce qu'on a posé ces questions-là subtilement, à quelque part. Pas tellement très subtil, mon affaire. Mais le but était de vous faire comprendre que de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui a de la douleur intense, comme Gracielle le vit, j'aimerais ça que vous soyez un petit peu en pâte et compreniez pourquoi le choix, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont contre le fait de vouloir ou de donner l'aide médicale à mourir, qui dans son cas, je la comprends excessivement, parce que je vois le corps, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle les passages, les transformations, oui, les exactement. Étapes, le processus. Exactement. Et si je vois la peau, son corps, tantôt, de me montrer ses pieds,
Et c'est fou, ça doit être terriblement douloureux ce qu'elle vit. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Comment ça se passe, en gros? Oui. Disons qu'ici, où est-ce que j'habite, ça fait 5 ans. Et c'est sûr que quand j'ai commencé avec une canne. J'avais une canne peut-être pendant 2 ans et je travaillais. Je travaillais physiquement. C'est sûr que ça me permettait de me remettre un peu en forme. Par contre, trop travailler, ça fait l'effet contraire. Ça l'a comme ça m'a brûlé au niveau de l'énergie. Ça l'a tout aspiré. J'ai perdu beaucoup de force et d'endurance. Avec les fatigues extrêmes que la maladie apporte. Et le médecin, ça faisait 2 ans qu'il me disait d'arrêter de travailler. Puis moi, j'avais une fierté de travailler, donc je voulais continuer à être autonome. Hein. Et quand j'ai continué à travailler, j'avais la canne, mais après ça, j'ai commencé avec la marchette graduellement. Donc, peut-être 3 ans avec la canne, puis j'ai commencé à faire ça avec la marchette. Et là, je t'ai rendu avec la chaise roulante, la chaise motorisée. Donc, dans le fond, je serais supposée prochainement d'être alitée parce que j'ai de la difficulté à me déplacer, à faire mes déplacements. Puis au niveau de l'hygiène, l'intimité personnelle, disons que la dignité, on a des pertes de dignité parce que c'est la mienne, la sorte de maladie de la sclérose en plaques, il y en a plusieurs sortes. La mienne, c'est celle que je vis, c'est dégénérative, là, qui est progressive, capable. Donc, les pertes de capacité sont là, sont... constantes ou même en accéléré, tu En accéléré, surtout avec ce qu'on a vécu les dernières années, là, depuis 2000, quand j'ai commencé à avoir des symptômes. Depuis 2020, oui. Que ça a commencé à être exponentiel. C'est là, ça. À dégrader le plus rapidement parce que je ne pouvais plus sortir dans les couloirs et je n'avais plus accès aux exercices en haut parce qu'on devait rester à la maison. Donc, beaucoup de capacités. Dans le contexte pandémique et tout ça, qui est... On a perdu beaucoup de capacités et aussi le fait de ne pas rencontrer les êtres chers qu'on connaît. Qui nous redonne de l'énergie, des câlins, de l'amour, ça donne de l'énergie. Et du support. Voilà. Ouais. Donc, la perte de ça aussi, parce que j'avais plus le droit de visite ici où est-ce que j'habite, parce que on n'est pas dans un CHSLD, on est dans un endroit où est-ce que les gens sont en perte d'autonomie, et aussi c'est un endroit intergénérationnel. Ouais. Mais par contre, on a les mêmes obligations que dans un CHSLD parce qu'on est un endroit où est-ce que les gens ont des besoins, des besoins différents parce que ils ont des maladies auto-immunes. Ouais, ouais, donc, ouais. Sont immunosupprimés. Ouais, ouais. Donc, on a, selon l'OMS, on doit suivre ce que l'OMS dit. Ouais. Mais, c'est ça, la perte a été encore plus intense par rapport à ça. Et le fait que ce soit... maladie dégénérative, puis que tu graduellement tu as perdu de l'autonomie, puis tu parles de dignité également, mais donc d'où le choix qui s'est graduellement imposé, puis tu disais off caméra que tu as beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est oui. Pas une décision prise sur un coup de tête. Là. Non, ça fait des années que je pense, parce que les douleurs sont si intenses
que, comme je disais plus tôt, c'est que autant qu'on peut avoir des douleurs physiques, pour ma part en tout cas, autant que j'ai pu avoir des expériences spirituelles, des expériences mystiques, qu'on pourrait appeler. C'est comme un équilibre, parce que j'ai reçu des bénédictions, j'ai reçu des grâces. Pas parce que j'avais des souffrances, mais étant donné que j'avais beaucoup de souffrances, on m'a permis de recevoir certaines grâces. Et je remercie. J'ai beaucoup de gratitude. Et je suis reconnaissante. Puis justement, en rapport avec ça, je me disais, j'ai pas le droit de partir plus vite. Je peux pas partir plus vite. J'ai besoin d'aider les gens autour de moi pour les inspirer dans leur cheminement, pour les soutenir. Parce que moi, malgré mes difficultés, mes douleurs, ce qui fait que je suis capable de supporter tout ça, c'est les bénédictions que je reçois, les grâces. Puis là, je me disais, qui je suis pour dire, qui suis-je pour dire que j'ai le droit de partir avant mon temps ou de dépérir ou comment c'est possible que, avec tout ce que j'ai vécu comme gratitude, comme grâce, comme on dirait, mais c'est vraiment la grâce que j'ai reçue et. Comment ça se peut qu'avec tout ce que j'ai reçu, que moi, je peux décider de partir, exemple, plus rapidement, d'activer ou d'accélérer ou d'avoir ma maladie qui empire aussi vite? Parce que j'ai beaucoup de gens aidés. Oui. Avais-tu l'impression, dans ta réflexion, ton cheminement, qu'il y avait une forme de culpabilité qui rentrait là-dedans? Oui. Mais ma fille, elle me dit, c'est quoi, maman, ton maximum que tu ne voudrais pas aller? Et c'est là que ça m'a fait réfléchir et que j'ai dit, c'est très songé, ça. Mais pourtant, j'aurais dû y penser. Il y en a que c'est la chaise roulante. Moi, ça fait 2019. C'est pas ça qui m'a arrêté. Mais les douleurs que je reçois, même si je suis assise ici, les douleurs sont là. C'est pour ça que souvent je bouge mes jambes, je me lève, parce que la circulation, il faut que la bouge. Il faut que le sang circule, parce que aussi la lymphe, parce que si ça ne circule pas, ça compresse encore plus. Mais ma fille m'a dit, c'est quoi ton maximum? Moi, c'est l'hygiène corporelle. Moi, je préfère m'organiser que de me faire organiser, comme on dit. Donc, j'ai choisi de m'organiser en conséquence de ne pas avoir besoin de ça. Fait que le choix, il était comme facile à faire à ce moment-là, quand ma fille m'a dit ça. Ben moi, mon maximum, c'est ça. Parce que les douleurs, ça fait des années que je les ai. Malgré la médication, ça fait depuis l'année passée que je m'en prends, que j'augmente, mais ça ne fonctionne pas. Ça me parle beaucoup, beaucoup, ça a une grande résonance quand tu dis, j'aime beaucoup cette phrase-là qui est très forte. J'aime beaucoup m'organiser plutôt que de me faire organiser. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui résonne fort en moi. Puis même si ma nature est dépendante et tout ça, c'est une autre histoire, mais d'apprendre à être autonome, puis aussi de miser là-dessus, puis on est de faire « ok, j'ai mes limites, justement. Mm-hmm. » Puis là, ça ne me conviendrait plus d'aller au-delà de ça. Oui. Donc, d'où la ligne à franchir. Oui. Parce que en fait, je suis tombée plusieurs fois, à plusieurs reprises, en une semaine et demie. Je suis tombée dans la douche, je suis tombée quatre pattes à terre, même si j'étais à jeun. Les médicaments, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'a créé le déséquilibre. Parce que quelqu'un va regarder un livre en avant de moi, il va tourner la page, puis je perds l'équilibre. Donc, je vais penser de tourner de bord, de tourner. Je vais juste y penser, puis je vais perdre l'équilibre. C'est fou comme ça. C'est perdre l'équilibre.
Et j'ai ouvert une fois ma porte de chambre, puis juste le fait d'ouvrir, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée la face dans le coin de la porte de chambre. J'étais capable de me relever. À un moment donné, j'ai tombé à genoux à terre en sortant de mon lit. Puis une chance que le bureau était en face de moi, parce que là, j'ai été capable de me hisser. Mais quand je suis tombée là, à quatre pattes, je n'étais plus capable de me relever. Et il a fallu que j'appelle les pompiers ou la police qui viennent me relever. C'était pas un accouchement, là, mais c'était... Qu'est-ce que tu as fait dans cette situation-là? Quand tu étais à quatre pattes? Tu as eu une vie avec quelque chose? Mon Dieu! Mon Dieu de moi! Qu'est-ce que je peux faire? Quatre pattes à terre, marche, marche, marche. J'ai marché jusque dans la salle de bain. J'ai pris un bain, j'ai essayé de m'accoter. J'ai un poteau dans la salle de bain, j'en ai un autre sur le bord, je me suis hissée. Mes jambes ne pouvaient plus. J'ai essayé de m'accoter sur la toilette, parce que je voulais aller à la salle de bain, à 2h du matin. Là, j'ai essayé de me hisser, et en m'accotant sur la toilette, j'ai réussi. Mais un coup, j'étais assis. Après ça, je pouvais me relever. Okay. Mais de par terre, l'attraction terrestre était trop forte. Wow. Impressionnant. Tu disais qu'on va comprendre, on est à même de comprendre que la vie, tout ce qu'on vit, ce sont des expériences, des laboratoires. Puis c'est pas, on n'est pas dans le négatif ou le positif, moi je dirais même dans l'optimisme ou dans le global, et qu'on n'a pas à mettre d'étiquette de jugement et tout ça, mais tu dis, quand on va comprendre la leçon, puis tu as dit tantôt off caméra, des gens qui n'aiment pas ça, mais le son, au niveau de résonance, c'est le son, c'est sonore. Le son, oui. C'est comme le chant, puis le chant, c'est comme le cœur, puis le cœur. Oui. Tu sais, c'est la même résonance. Oui. Donc, tout est vibration, tout est musique, tout est sonore. La réalité sonore en dessous de la matière. Oui. Puis donc, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas de... On vit beaucoup dans un monde de jugement, puis de condamnation, tout ça. On trimballe ça encore, alors que dans le fond, c'est une expérience qu'on vit en tant qu'âme. Tout dépendant de la façon qu'on la perçoit. Exactement. Puis qu'on l'aborde. Parce que les gens peuvent voir un 6... ou un 9, tout dépendant où est-ce qu'on se situe. Exactement. Voilà. Comme diraient certaines personnes, tout dépendant de notre point d'ancrage. Oui. De notre regard, de ce qu'on perçoit, percevoir, percer, vous verrez. Voilà. C'est tellement fun de décortiquer. Mais quand on vit l'expérience, on arrive à saisir ce que cette épreuve-là, ce que cette expérience-là voulait nous enseigner. Oui, voilà. Parce que souvent, c'est un cadeau mal emballé. Oui, ça, j'aime tellement ça. Parce que, dans le fond, c'est comme, exemple, il y a des gens qui ont vécu des expériences difficiles, comme on pourrait dire la maladie. Comme on pourrait dire certaines personnes présentement ce qu'ils vivent, on pourrait dire pandémie. Pandémie. Bon. On pourrait voir au travers ça que c'est un petit plan. Qui est fait justement pour que les gens puissent arriver à sublimer. J'aime beaucoup ça, sublimer, ça, transcender, transformer, c'est un processus alchimique. C'est sublimer, parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Ça fait des années avant que ça je pourrais dire depuis 2020. Même, je dirais, un petit peu avant. Ouais. Que je l'ai dit que, bon, ce qu'on vit présentement, c'est un plan. Il y en a qui vont dire que c'est un plan diabolique. Il y en a qui vont dire que c'est un plan
comment je pourrais dire, donc un plan que certaines personnes ont décidé pour nous autres. Oui, ça prend toujours des décideurs. C'est toujours plus facile de jouer le héros que de jouer la personne qui est le méchant. Le héros que le zéro. Parce que souvent, c'est celui qui nous a blessés, qui nous a fait du tort, ouais, qui finalement, quand on traverse le voile, finalement, c'est une personne qui nous aimait beaucoup. Oui, ça c'est intéressant. C'est pas toujours évident à accepter en tant qu'ego. Puis tout à fait. Dans le jeu des apparences, parce que tu dis, ben oui, mais tu m'as fait du tort, tu m'as lésé, oui, j'ai été blessé. Mais oui, effectivement, on l'entend souvent, on le lit souvent, il y a un enseignement, il y a un contrat d'âme, voilà. En tout cas, c'est un terrain de jeu, on va dire. Plutôt, voilà. Un terrain de jeu qui s'établit, où est-ce que tu fais, c'est ça. Mais pas évident. Quand on a décollé oui, à l'expérience, c'est pas évident. Là. Il faut s'élever, il faut prendre de l'altitude. Du recul, oui. Parce que si on regarde ça comme une pièce de théâtre. Exact. Qu'on est en train de jouer, oui, on peut l'apprendre de différentes façons. Oui. On peut l'apprendre en riant, si on voudrait, comme moi. Je vais parler de mon expérience. Oui. Parce qu'il y en a qui me jugeaient en disant, « Ouais, mais avec tout ce que tu sais, comment ça se fait? Comment se fait-il que tu es malade? Mm-hmm. » On peut porter un jugement facilement. Oui, oui, oui. Mais par contre, quand on vit l'expérience, qu'on est dedans, moi, là, j'ai eu beaucoup de gratitude. Mm-hmm. J'ai beaucoup de gratitude envers mon expérience et les gens qui m'entourent aussi. Mm-hmm. La façon qu'ils ont été, qui ont agi envers moi-même, dans ma situation. La façon qu'ils m'ont abordé, la façon que... C'est sûr que quand on ne voit pas la personne, on ne voit pas sa situation de proche. Ouais. Quand on est juste en audio, oui, on ne voit pas la personne. Non, tout à fait. On peut se créer une image et se faire une image selon ce qu'on projette, préfère. Oui, puis ce qu'on projette. Voilà. Mais par contre, quand on voit la personne, puis qu'on on réalise des choses après l'avoir vue, que finalement, la personne, avec tout ce qu'elle vit, chapeau bien haut. Parce que la personne ne vivrait pas ce que exact, soi-même on est en train de vivre. Absolument. Parce que dans ma situation, moi j'ai offert des choses, des fois, je pourrais dire des entrevues, oui, parler à des gens, que j'ai fait ça gratuitement. Absolument. Avec mon cœur, parce que j'ai le cœur ouvert. Et quand que je suis arrivée à donner, ben la personne n'a pas reçu au même niveau, je pourrais dire, oui, ou comment je pourrais dire, aussi bien, oui, que je l'aurais cru. Oui. Ne sachant pas ma situation. C'est ça, je comprends. Moi, dans ma situation, c'est très, très difficile de donner de mon temps. Que ce soit de l'écoute, de l'encouragement, que ce soit de faire des choses, parce que présentement, depuis 2020, que je reste à la maison, je fais livrer. Parce que mes capacités, parce que j'ai des pertes de capacité. Ouais. Donc, les trajets, je ne suis plus en mesure de le faire. Mm-hmm. Les médecins viennent chez moi. Parce que je ne suis pas capable de dealer avec les trajets, ouais, à cause de mes fatigues extrêmes, ouais, des douleurs. C'est toutes des incapacités que les gens ne savent pas, mais mes incapacités, la fiche, en fait, liste est longue. Ouais, ils n'ont pas conscience, voilà, du quotidien, de la somme des détails, tout ce que ça implique. Voilà, tout ce que ça me prend, ouais, combien de temps ça me prend à faire les choses. Ouais. Ouais. Toutes les difficultés autour de ça. Ouais. Tu sais, quelqu'un, ah, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va vite, hein? Mais moi, c'est pas moi, là. Ça va bien plus lentement. Parce qu'il faut faire. Le temps que ça va me prendre pour faire les choses, c'est très, très long. Faut que je me prenne d'avance. Je pourrais dire des jours d'avance. Ouais. Des heures à l'avance. Ouais.
Donc, le temps que j'ai donné, que je donne à des gens, gracieusement, pour moi, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Ouais. C'est mon héritage. Voilà. Super. Mais il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça. C'est parce qu'ils ne vivent pas. Ils ont profité. Mm-hmm. Ils sont pas habités parce que tu vis. Non. Donc, ils n'ont pas la lucidité ou la pleine conscience, justement, voilà, de ce que ça implique. Mais c'est bien, par exemple, parce que ce que tu fais, puis en particulier aujourd'hui, c'est le message est extrêmement clair, qui va faire œuvre utile, nécessairement. Je le souhaite. Parce que c'est un testament aussi, c'est quelque chose que tu donnes, c'est un héritage, c'est un don que tu fais. Oui. Puis il y a un écho, puis il y a une clarté, une lucidité. C'est sûr que j'aurais fait des vidéos encore plus, j'aurais fait beaucoup de choses, des conférences, beaucoup de choses. Mais moi, j'aime pas être mise en lumière. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, là, je me fous du ridicule. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que j'ai plus rien à perdre. Ouais. Je suis totalement ouverte. Mm-hmm. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Mm-hmm. Parce que mon temps, il est calculé en jours, ouais, et je pourrais dire en heures. Ouais. Parce que j'ai donné, mais jusqu'à quel point c'était important, on ne le sait pas. Mais moi, quand je parlais du plan, c'est qu'il y a un autre plan derrière ça, que les gens ne savent pas. C'est pour ça que je parlais tantôt du plan. Puis j'ai déjà parlé de ça auparavant. Mais on n'a jamais été en profondeur. Mm. Puis quand je parlais justement de la fameuse soucoupe volante qu'on a vue en famille, puis qu'on disait qu'on voulait approfondir, que moi je disais, si les gens approfondiraient un peu plus, ben ils pourraient voir des choses que justement aujourd'hui on est en train de vivre. Tu as vu ça dans quel contexte? Dans mon expérience. Mais dans cet objet-là, tu l'as vu? Ah, en famille. On l'a vu en famille. OK. On était à Laval, on a vu une soucoupe volante en forme d'étoile de David. Il y avait deux triangles. Opposés. Oui. Comme on a vu aujourd'hui une crop circle. Mm-hmm. Crop circle. Crop circle. J'ai de la difficulté. Un agroglyphe. Un cercle céréalier. Justement, la même chose que l'étoile de David. Oui, ce que tu as partagé d'ailleurs. Parce que cet objet-là, je pourrais dire un ovni, parce que ce n'était pas un avion. En tout cas, c'était un appareil qui volait et qui ne faisait pas de bruit. Puis qui tournait en 45 comme ça. Fait que dans mon livre, à moi, tu sais, les ovnis sont pas toutes ronds, sont pas toutes il y a des boules de lumière, il y a des sirènes, il y en a de toutes les sortes. Ouais, fait que moi, c'est nous autres qu'on a vu, c'était de toute beauté. Je veux juste faire une petite mention extraordinaire dont Patrice a fait le lien avec Gracielle, justement. Puis ça, vraiment, là? Ça me bouleverse parce que, vraiment, je me suis excitée, il faut que je le répète. Gracielle, quelle date d'émission je reçois Joël Pfeiffer? Le 3 septembre. Ce qui fait le 3? Du 9? Du 9e mois. 2022 égale 2226. Donc, 3, 9, 6. C'est fou. On le répète, là, j'ai encore des frissons. C'est fou. Là, tantôt, tu as montré quelque chose avec les notes de musique. On en a déjà parlé à l'émission. Oui, parce que pour moi, la nature de l'existence musicale et tous les problèmes sont de l'ordre de la distorsion, de l'interférence ou de la dissonance. Ce sont des expériences. Donc, ça grige, ça fausse. Puis l'idée, c'est de revenir à la résolution, résolution, revenir à la musique à travers différentes épreuves. Et les trois clés en musique, la clé de sol, la clé de fa et de ut, sont représentées comme suit. Les trois clés musicales, clé de sol, clé de ut et clé de fa. Et ça rappelle, dans le type de symbole, un 6, un 3
et un 9. C'est quand même assez extraordinaire. C'est 432 Hertz? Oui. Alors, c'est quand même assez chouette quand tu commences à décoder les symboles puis à ouvrir des portes, justement, pour voir au-delà du voile. Puis du ciel premier, ouais. Tu vois d'une autre lecture. C'est formidable. On va faire une expérience. Ça, je te le demande là, live, sans que je te l'aie demandé au préalable. J'aimerais ça, tantôt quand on va manger, j'aimerais ça que tu m'écrives un ou deux mots magiques, spécifiques. Parce que le 3 septembre, Joël t'a fait la demande d'être là et de dire quelque chose de spécifique. Et j'aimerais ça que tu me le dises et que je vais garder secret jusqu'à ce que Joël puisse dire le mot exact qu'est-ce qu'elle entend. D'accord. Ça, est-ce que tu es partante pour l'expérience? J'entends. Moi, je trouverais ça cool. Fait que si tu dis quelque chose que moi, je vais avoir sous enveloppe, ça, c'est une expérience. Ça, ça va être vraiment particulier comme expérience. Croyez-moi, ça va être spécial. Joël, c'est pas qu'on va la tester. On a déjà testé Joël et elle est vraiment formidable pour ce qu'elle nous a déjà prouvé que ce qu'elle entend ou ce qu'elle reçoit comme message, c'est véridique. Pour m'avoir dit certaines choses privées, personnelles, et vraiment, oui, effectivement, puis c'est fou, là. Comment elle peut... Ça, elle s'est pas trompée. Je te donne un exemple pour ma mère. Elle a dit que ta mère va en avoir pour au moins 2 ans. Bien, elle en a eu pour 2 ans. C'est vraiment 2 ans. Elle a vraiment ciblé le... Et les détails de mon père, c'est pareil. C'est vraiment pareil. En tout cas, elle est merveilleuse. J'ai hâte de la recevoir encore en studio. Mais là, on va faire ce petit jeu-là qu'elle ne sait pas, puis on lui dira pas. Elle a eu accès, quand tu parles de Joël, puis ça, j'aime bien décortiquer les mots, à l'information. Qui dit information, dit information. La non-forme, ça va au-delà de la forme. C'est l'information. Et c'est comme disait Saint-Exupéry, puis d'autres, c'est l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, l'information est là. Oui, mais c'est ça que je voulais parler, justement. L'information. Parce que c'est celui qui informe. Oui. Celui qui informe, c'est qui? C'est le H2. Oui. Au H3. Et le H3 informe le H1 qui est le corps. OK. Ça, c'est l'âme. Oui. Ça, c'est le psychique. C'est celui qui informe le corps. Oui. Grâce à l'âme. Oui. Puis c'est celui qui est magnétique. Mm-hmm. Et ici, c'est grâce au négatif positif qui fait la trinité. Oui. Parce qu'il relie les deux. Oui. Et ici, c'est le corps physique qui est matériel. Oui. Lui est immatériel. C'est lui qui a l'information. Oui. Et lui, il est dans un champ au-delà. Dans un champ informationnel. Oui. Tandis que nous, nous sommes dans le temps. L'espace-temps. Dans la forme. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui relie les deux? C'est l'âme. Oui. Grâce au mariage. Elle fait le pont. Grâce au mariage des deux, le Christ le disait, marie ton corps à ton esprit, mais en fait, c'est ton âme. Oui. Parce que ton corps, c'est ton âme. Mm-hmm. Marie, ton âme à ton esprit, c'est le négatif positif pour faire la lumière là-dessus. Parce que sinon, on ne peut pas faire l'électricité s'il n'y a pas de le négatif positif. Puis ça, c'est justement ce qui est informationnel, qui est au-delà, qui est subtil. Ouais. Donc, ce qu'on veut ici, aujourd'hui, dans le plan qu'on vit en 2006, nous vivons une guerre de l'information. Donc, l'information qu'on veut nous inculquer, insuffler, qu'on veut nous organiser, c'est ce que nous autres, on ne veut pas.
On veut la vraie information. Et non pas être piégé dans la forme pensée ou dans les formes pensées, puis l'espace-temps dans lequel on est plongé comme expérience, et c'est le temps linéaire au-dessus. Oui. Le passé et le futur. Et... C'est drôle s'il y a le mot neutrino aussi. Oui. Et le neutre aussi. Mais le passé et le futur sont reliés dans l'instant présent. Absolument. Quand j'ai vécu mon expérience en 1990, c'est ça que j'ai vécu. Ouais. Parce que j'ai eu le contact avec mon être divin et j'ai fusionné. Ça a été le contact direct parce que c'est ça qui a créé le pont. Le pont, c'est ça que j'avais dit, oui, le pont. Grâce à quoi? L'âme. Grâce à l'amour. L'amour. C'est ça qui relie. C'est ça qui fait le lien. Tu disais âme et amour, oui. Et ami. Âme, amour, ami. Oui. C'est très... Mais c'est ça qui relie. C'est ce qui relie, oui. Puis si on est dans l'amour, on est au même niveau. Ouais. Il n'y a pas de niveau ça, en haut, en bas. On est en harmonie. Ouais. On est équilibré. On est au centre. Ouais. On est un, neutre, oui. Être un. Oui. Et c'est l'anagramme neutre, c'est la même lettre que être un. On est unifié. Voilà, voilà. C'est ça le plan. Oui, oui. On le sait. Puis d'autres le savent. Oui. D'autres qui veulent faire ce qu'ils veulent faire, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Mm-hmm. Parce que les mots, c'est comme une baguette magique. Absolument. Dans le mot, juste ce champ de pinel, moi je vois la glande pinelle. Pinéale. Oui. Donc, c'est vraiment c'est le pont. Pour moi, ça, c'est un peu le pont de l'information qui rentre aussi. Oui, parce que c'est comme si c'est celui-là qui fait en sorte que le courant passe. En fait, c'est envoyer c'est de neutre. La vision, oui. Oui. Parce qu'il dit voir, c'est croire. Oui. Ce qu'on veut nous faire croire. On essaye de nous démontrer, on essaye de nous faire voir des choses qui ont ni queue ni tête, qui sont absurdes, comme si on était des enfants qui apprennent présentement à marcher ou à parler, comme si on ne savait pas parler, on ne sait pas réfléchir. On nous démontre par une image, puisque une image, ça vaut mille mots, hein? Oui. Donc, on nous démontre en image ce qu'on veut. On veut nous faire croire. Parce qu'on dit voir, c'est croire. Et d'ailleurs, tu parles de voir dans le mot pouvoir et le mot voir. Oui. Et ça me rappelle ce que. Il y a le pouvoir. Et ça me rappelle ce que tu as dit tantôt. On ne voit qu'avec les yeux du cœur. C'est ça. Mais l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, le rapport à l'information versus le monde de la forme, la formalité, des conformités, tu sais, quand tu dis piégé dans la forme versus l'information. Donc, ce qui insuffle le monde de la forme pour s'en libérer ou s'en détacher, prendre du recul. Donc, être animé à nouveau par comme des enfants, par ce désir de se déployer, puis de prendre de l'expansion, puis d'explorer, puis de vivre plein d'expériences. Donc, ça va en rencontre de quelque chose qui cristallise, qui enferme, qui emprisonne. Oui. Et donc, c'est l'équilibre, la jonction, le pont entre la forme et l'information fait en sorte qu'on est des êtres affranchis, libres et pleinement conscients, puis on peut avancer dans ça. Oui. Puis éclairer, donner notre lumière, notre musique, pour contaminer, c'est pas le bon mot, mais pour faire écho aux autres, puis faire en sorte qu'il y ait une. Faire fructifier. Faire fructifier, puis qu'il y ait une résonance, puis que partager. Mm-hmm. C'est formidable. Mais c'est sûr que là, présentement, ce qu'on voit, c'est négatif, entre guillemets, parce que on est confronté à nos peurs, à nos blessures, à nos résistances, parce qu'on est souvent confiné à la maison, comme on pourrait dire la maladie aussi. Ouais. Parce que moi, je suis confinée dans mon corps. Ouais. Je peux pas faire des choses que ce que vous faites, vous allez à l'extérieur voyager, tout ce que vous faites à tous les jours, je ne peux le faire. Ouais. À moins, bon, de prendre, boire, manger, se brasser les dents, aller sur Facebook, des choses
anodine, là, basic à la maison, là, ouais. Des choses de base. Bon. Mais par contre, quand on est confiné dans notre corps, dans notre bulle, on est comme dans une cellule. Ouais. On est comme dans une, un temple, ouais. Dépendant comment on le perçoit. Ouais. Mais si on prend conscience que ce qui nous arrive présentement, c'est tout simplement une épreuve, une expérience, c'est plus positif dans le sens du mot, l'expérience fait en sorte que ça permet justement de créer une pression, okay, qui va faire justement un choc de, au niveau thermique. Hein? Parce qu'à un moment donné, la pression fait que ça peut brûler comme ça peut être froid. Oui. Je le sais parce que j'ai de la fibromyalgie. Oui, oui. Donc, la pression que je ressens, c'est soit ça brûle, soit c'est froid. Quand c'est très froid, quand ça c'est brûle. Très froid, quand ça brûle. Voilà. Aussi. Parce qu'on peut brûler avec de l'azote. Exact. Bon. Fait que le froid, c'est bon ou c'est mauvais. Tout dépendant d'où est-ce qu'on se place. Oui. Quand on vit l'expérience d'une façon négative, c'est sûr qu'on a tendance à le voir sombre. Mais quand on voit ça plutôt d'une façon, je pourrais dire, d'une autre façon, on fait ça, on le voit d'une, comme si c'était un jeu. Oui. La meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est par le jeu. Tout à fait. Par la musique. C'est plus amusant. Par les chansons. Je reviens à la musique. Par le rire. C'est ce que je te disais, voilà. La musique est l'essence même de la... Voilà. De la vie. Le rire, oui. Ça libère. Oui. Ça fait justement travailler les capsules surrénales, qui est à la base du premier chakra, oui. Et les glandes surrénales, qui sont justement avec le plexus, qui est le soleil, qui est le troisième chakra, qui ouais. Est tous les organes du bas du corps. Mais c'est ça aussi que l'enfant qui va libérer sa peur, c'est grâce au rire ouais. Ou par les larmes. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut qu'on libère. Je m'amuse à... J'ai toujours aimé jouer avec les mots, la résonance, la symbolique. Là, on a parlé avant la diffusion de la vidéo de la langue des oiseaux, langage symbolique. Le mot nombre, un nombre, le nombre d'or, le nombre, c'est pour moi neutraliser l'ombre. Donc c'est ludique. C'est le non-ombre, neutraliser en, comme le nombre, comme le voyons, excusez, le mot neuf, N-E-U-F, c'est le non-œuf. Sort de l'œuf, sort de tes limites, tu es dans le neuf. Tu ouvres, tu sors de tes limites, tu ouvres à la réalité, donc tu es dans le 9. Le 9 en français, c'est le chiffre, mais c'est également la nouveauté. Voilà. Puis donc le 9, le non-œuf, ou le nombre, la non-ombre, fait en sorte que tu passes à autre chose, tu transcendes. C'est alchimique. Tout comme le nombril. Le nombril, que oui. Tu quittes l'œuf, exact. Justement, parce exact. Que tu es à la naissance. C'est ça. La bulle. Oui, exactement. La cellule? Oui. Comme je vais rebondir là-dessus, parce que, comme le fauteur qui rebondit. Oui. Hein? Mm-hmm. Parce que quand on parle de vibration, de pression, quand on reçoit la pression, oui. Ben justement, ici, c'est comme l'inspire et l'expire. Oui. Parce que si on veut, on veut monter en alpha, on va respirer. On va inspirer et expirer. Oui. Puis ça, ça va faire en sorte qu'on va élever nos vibrations. Oui. Et avec ça, l'atome, oui. Il va tout simplement faire augmenter, il va augmenter ses vibrations, puis il va changer d'octave. Oui. Il va changer d'état. Parce que là, il va devenir extraordinaire. Oui. Extra. Parce qu'il va monter de vibration, il va changer son champ. Son champ, il va être encore plus vaste. Son champ, C-H-A-N-T, C-H-A-M-P-S. Oui.
Il va changer de clé également, de portée. Donc, oui, tout ce qui est musique, il va composer différemment, il va harmoniser. Tous les termes musicaux, tu sais, composer qu'une situation, harmoniser, trouver la clé, trouver la portée, la porte, c'est tous des termes musicaux. La serrure? La serrure, oui. La clé. Il faut trouver la serrure? Oui. Pour sortir? Oui. La clé de la bulle. La clé qui est. De la cellule. Qui commence la portée, mais qui dit portée, dit porte. Donc, tu voilà. Portée, puis donc, tu montes, c'est octave, c'est fréquence, c'est vibratoire. C'est... Vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que vous vous complémentez. vous terminez vos phrases et quand vous êtes sur ça. Ben oui, c'est un lien. Oui, ben oui, mais je trouve ça fou de voir la compréhension. C'est à la fois la science, c'est la science et la conscience. Au clair de la lune. Ben oui. De l'eau. Au clair. Oui. Eau. Oui. Eau. Tout à fait. Au clair. Ben oui, c'est je suis au clair. Au clair de la lune. Oui. Mon ami Pierrot. Oui. Pierre. Pierre, la pierre philosophale. Pierre. Oh, ouais. Âme. Ouais. Mon âme, ami. Ouais. Mi. Ouais. Tout à fait. Pierre, oh. Prête-moi ta plume. Prête comme un prêtre. Ouais. Prête-moi. Moi, ça peut être comme loi. Ouais. Moi, ta plume. Oui. Pour ta plume, ta plume. Ouais. Pour écrire. Écrire un mot. Un seul mot. Qu'est-ce que tu voudrais écrire comme un seul mot? Ouais. Moi, je le dis en tout cas. Ouais. Un mot. Je t'aime. Ouais. C'est le seul mot que moi, je voulais écrire dans mon expérience. Amour. Je t'aime. Ouais. Je voulais dire, je voulais qu'il sache que je l'aimais. Que je l'aimais plus que tout. C'est un amour indescriptible. Et inconditionnel. Inconditionnel, c'est un amour fulgurant. Infini. Transcendant. Infini. C'est un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'expression vraiment pour égaler la justesse qu'on peut ressentir. L'amour est illimité. Oui, même si des fois on a l'impression qu'on est contraint, comprimé, puis qu'on ne peut pas l'expérimenter pleinement. Mais le mot, contrairement à limité, il n'y a rien de pire que d'imiter pour se limiter. C'est la peur. Se limiter à imiter. Les mots sont tellement proches, la résonance est tellement forte que se limiter à imiter, souvent je pense à ça, je me dis, j'ai pas à imiter. On peut s'ajuster comme enfant aux parents ou à l'autorité parce qu'on veut. L'attention d'amour, on veut se réaliser, tout ça. Mais à ce moment-là, on s'oblige à mettre de côté l'illimité. Fait que c'est quand même, plus on prend conscience de toutes ces images-là, ces symboles-là, ces expériences-là, plus on prend la pleine mesure de tout ce que ça implique de l'incarnation. Mm-hmm. Exact. C'est quelque chose. Le mot est comme le chant. Le son, c'est... Oui, le son. C'est vraiment... Le son. Exactement. Le chant et le chant. Mm-hmm. Le cœur et le cœur. Moi, j'avais vécu une expérience spirituelle, une initiation dans un rêve. Thank you.